Flash Collection. Le guide représenté sur cette carte postale monochrome de 1905-1910 est Joseph Desmarquis, membre de la Compagnie des guides de Chamonix. Reconnaissable notamment à ses roues flaquettes, il réalise des ascensions remarquables, comme la première de la face sud de l'Aiguille sans nom, en 1902, avec Joseph Rabanel dit le Rouge et deux clients anglais. Avec ses clients étrangers, qu'il engage parfois pour plusieurs semaines, Joseph Desmarquis parcourt de nombreux massifs en France, en Italie et en Suisse. Engagé pour la pérennité du métier de guide, il est le cofondateur de la Caisse de secours en 1924, destinée à venir en aide financièrement en cas d'accident des membres de la Compagnie des guides. Sur cette carte postale, Joseph Desmarquis pose en habit d'alpinisme, le pied gauche sur une souche et la main droite appuyée sur son piolet. Une corde pliée est accrochée à son sac à dos. Le cliché a été réalisé en studio par Georges Terraz, 1868-1924, photographe établi à Chamonix, fils de Joseph Terraz, 1827-1902, lui-même guide de montagne et photographe.